Good morning, Ale Yiden. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 Adar Alef 5776 et l'étude sera les Logish Matrika Batsara et Rachel Batsara. Nous commençons aujourd'hui le quatrième Perek de Baba Kama. Sho Shenagar Arba'a Vachamisha Shvarim Ze Acharze. Yeshalem la Acharon Shebahem. Vim Yeshbo Motar Yachazir Lishelefanav. Vim Yeshbo Motar Yachazir Lishelefanav. Ve Acharon Acharon Niskar. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Shimon Omer, Shorcha Bematayim Shenagar, Shorcha Bematayim Venane Valeyafa Kloum, Zenotel Mane, Vezenotel Mane. Chazar Venagar Shoracher, Shabematayim, Acharon Notel Mane, Veshelefanav, Zenotel Chamishim Zuz, Vezenotel Chamishim Zuz. Chazar Venagar Shoracher, Shabematayim, Acharon Notel Mane, Veshelefanav Chamishim Zuz, Ushnaim Arishonim, Dinar Zahav. Une Mishnah qui va nous présenter une machloquette intéressante entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Mais pour bien expliquer ça, on va d'abord faire quatre petites introductions. Deux rappels et deux halakhot assez simples. Et ensuite, on va les mélanger ensemble pour comprendre cette Mishnah. Accrochez-vous, c'est pas tellement compliqué, il faut juste ne pas perdre chaque élément. D'abord, un premier rappel, on a déjà expliqué, que Keren Meshalem Migoufo, c'est-à-dire quand mon taureau en corne, je dois payer ensuite Khatinezek, donc la moitié du dommage, Migoufo, selon jusqu'à la valeur du taureau qui est en corne. C'est-à-dire, si mon taureau coûte 200 et va cause un dommage de 1000, d'accord, donc il devrait en théorie payer Khatinezek la moitié du dommage, donc 500, mais mon taureau ne coûte que 200, eh ben je ne paierai que 200, parce qu'il n'y a que mon taureau qui est engagé au remboursement, qui est en fait une sorte d'hypothèque, mais je ne préfère pas utiliser des mots pour rien, parce qu'on va justement apprendre quelque chose d'important dessus. D'ailleurs, c'est le deuxième point. Donc le premier rappel, c'était Meshalem Migoufo, il paye selon la valeur de son corps. Le deuxième rappel maintenant, c'est ce qu'on avait déjà appris il y a 3 jours, dans la Mishnah Perek Gimel Mishnah Tet, là-bas il y avait marqué que Shor Shavet Mané, sans répondre concrètement, le taureau qui est en corne, il y avait écrit là-bas Nantel et Tachor. Une fois que mon taureau en corne, si par exemple il doit entièrement partir pour dédommager l'endommagé, alors il y avait marqué là-bas dans la Mishnah Nantel et Tachor que l'endommagé a le droit de prendre mon taureau. Il prend directement mon taureau. De là-bas, de cette Mishnah, on apprenait quelque chose d'intéressant. Qu'en réalité, quand mon taureau en corne et que l'endommagé a un droit de se faire rembourser du taureau, il devient en réalité propriétaire de ce taureau partiellement ou entièrement selon le niveau du dommage. Mais en tout cas, de là, on apprend quelque chose de très important. C'est que mon taureau n'est pas que le taureau en corneur qui endommage, n'est pas que hypothéqué pour la dette, mais il devient maintenant acquis à l'endommagé. Ça devient un petit peu la contrepartie du taureau qui est parti, qui est mort. Alors maintenant, il va pouvoir prendre ce taureau. Alors là, maintenant, dans cette Mishnah, dans la nouvelle Mishnah qu'on est en train d'apprendre, qu'on va apprendre, mes Hachem, alors on va apprendre qu'il y a en réalité une discussion sur ce sujet. On va voir qu'effectivement, Rabbi Shimon, le deuxième avis de la Mishnah, pense que l'endommagé devient concrètement propriétaire du taureau, et on verra que Rabbi Meir ne pense pas ça. Et là, il va plutôt penser que c'est uniquement une hypothèque, selon la définition exacte de l'hypothèque, le droit, la propriété du bien appartient pour le moment à l'emprunteur, et pas au créancier, pas celui qui a prêté. D'accord? Ça, c'était la deuxième introduction. Retenez-la, on va revenir dessus de toute façon. Donc on a dit, premièrement, on a rappelé, ça voulait dire quoi? Payer Migoufo à partir de son corps. Deuxième point, on expliquait quand le taureau doit payer la moitié du dommage, est-ce que l'endommagé devient propriétaire ou juste un droit sur ce taureau de se faire rembourser à partir de lui, mais sans en devenir réellement propriétaire. Maintenant, deux points encore qu'il faut introduire, deux points vraiment très simples. Jusqu'à maintenant, on a parlé du taureau d'une personne qui est encore un taureau d'une autre personne. Lorsque
deux associés possèdent ensemble un taureau. Et que ce taureau va et cause un dommage qui doit payer ensuite Migoufo. Qui doit rembourser? Dans la mesure où personne n'a... Il n'y avait pas un ordre. C'est-à-dire les deux devaient le surveiller en même temps, ou au pire, se défaire de la responsabilité de le surveiller. Mais en tout cas, tant que pour le moment, ils n'ont rien fixé entre eux, ils ont tous les deux un devoir de garder, de surveiller leur taureau qui ne cause pas de dommage. De ce fait, ce taureau-là, qui va ensuite partir causer un dommage, chacun devra payer la moitié du dommage s'ils sont associés moitié-moitié. Si maintenant, ils sont associés mais à part inégale, alors ils devront payer chacun selon sa part. Évident, non? Rien de grave. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point maintenant, la quatrième introduction qu'il faut introduire pour bien comprendre la Mishnah, c'est une règle assez évidente dans les hypothèques. Lorsque j'emprunte de l'argent en hypothéquant mon bien, donc comme ce qu'on a expliqué dans l'hypothèque, dans la définition de la Torah, comme dans le droit civil, la propriété du bien reste à son propriétaire, à l'emprunteur. Je reste moi propriétaire de mon bien. Seulement, mon créancier a un droit de saisie sur ce bien. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si en fait, je vais ensuite emprunter une deuxième fois de l'argent, toujours en hypothéquant ce même bien? Alors, il y a une logique de laisser la priorité à celui qui était le premier créancier. Il l'a puisqu'il était là le premier. Donc l'hypothèque est tout d'abord hypothéquée à lui. S'il reste quelque chose, alors le deuxième créancier pourra lui aussi se faire récupérer sa dette de ce reste, si toutefois je ne paye pas. D'accord? Logique. D'accord? Rien de grave. Alors maintenant, on va revenir sur notre Mishnah en mélangeant maintenant ces 3-4 notions pour faire de l'ordre. Et didactiquement parlant, je suis désolé, il va falloir commencer à expliquer d'abord la deuxième partie de la Mishnah pour ensuite revenir sur la première. Pour la simple raison que la deuxième partie de la Mishnah, elle découle directement de toutes nos introductions. Pour revenir sur la première, ça va nécessiter encore un petit jeu, une petite pirouette pour ensuite pouvoir comprendre ce qui est écrit. D'accord? Donc on va maintenant revenir sur la deuxième partie de la Mishnah. J'espère que ça ne va pas vous déranger d'étudier une Mishnah à l'envers, mais c'est quand même plus pratique. Au pire, on va le faire à l'oral. Je le fais à l'oral, je vous explique ce qui se passe. Et puis après, on relira quand même la Mishnah du début jusqu'à la fin pour tout expliquer. Mais on va d'abord expliquer Rabbi Shimon, le deuxième avis de la Mishnah. Rabbi Shimon pense effectivement que lorsque mon taureau en corne cause un dommage, l'endommagé devient propriétaire du taureau qui a encorné. D'accord? Chose évidente, donc de ce fait. On va prendre un cas assez simple, on va dire que tous les taureaux ont la même valeur. Il y a l'encorneur, l'excité, et il y a l'endommagé 1, endommagé 2, endommagé 3, et ainsi de suite. C'est juste définir les termes qu'on va utiliser pour parler ensuite plus court. Il y a maintenant le taureau en corner, on va faire en sorte qu'on va poser que chacun coûte 200 shekel, euro, ce que vous voulez. Donc à chaque fois, et qu'il le tue en fermant, donc à chaque fois il doit payer 100, la moitié, enfin sinesek. Donc le premier taureau déjà il coûte 200, le taureau qui est en corner, l'agresseur. L'agresseur coûte 200 et tue le taureau 1. Donc à partir de maintenant, quand il le tue le taureau 1, qui coûtait aussi 200, donc il doit rembourser 100. Il coûte 200, donc ça fait que l'agresseur, le propriétaire de l'agresseur et le propriétaire du taureau 1 deviennent à présent associés sur le taureau en corner. D'accord? De ce fait, quand ce taureau va ensuite et encore une deuxième fois, il encorne maintenant le taureau 2. D'accord? Le taureau 2, l'endommagé 2. Taureau 2. Alors maintenant, il va falloir lui rembourser à lui les 100. Or, puisque sur ce taureau, le propriétaire initial et l'endommagé 1 étaient associés ensemble, donc maintenant ils ont le devoir de garder ce taureau tous les deux à part égale. S'ils n'ont rien établi ensemble, donc chacun, ils n'ont pas établi d'ordre qui sera le gardien pendant qu'on fait le partage concrètement. Donc dans ce cas-là, chacun a un devoir de rembourser la moitié du dommage, donc la moitié de la moitié. C'est-à-dire, puisque le taureau 2 coûte 200, il faut lui rembourser la moitié de ça, donc 100. Et ce taureau-là coûte donc
200. 100 pour l'endommagé, 1, 100 pour le propriétaire, donc chacun paye 50-50. On va se retrouver maintenant avec un taureau qui a 3 associés, 3 propriétaires, parce que maintenant, le deuxième endommagé devient lui aussi propriétaire, mais cette fois-ci, lui, il a une part plus grande. Il va recevoir 100, d'accord, donc ça va faire 50% du taureau, et 25% pour l'endommagé 1, et 25% pour le propriétaire. Weiter, Auda. Si maintenant, ce taureau, qui a maintenant 3 associés, va et encore un troisième taureau, donc on va faire maintenant entrer un quatrième associé dans l'histoire, alors maintenant, il va falloir le dédommager et lui donner 100, à part, selon la responsabilité de chacun. Donc celui qui était possesseur, propriétaire à 50%, va devoir maintenant payer 50% des 100, donc il va lui donner à lui 50. Et ensuite, ceux qui avaient chacun 50-50, ils vont devoir lui donner 25. On va se retrouver avec un taureau qui va à présent avoir 4 associés, où le dernier endommagé reçoit intégralement son Khatsinezek, donc la moitié du dommage. En tout cas, par rapport à ce qu'il doit recevoir, il va le recevoir intégralement, donc il va recevoir 100. Le deuxième endommagé, lui, il va lui rester 50. Et le premier endommagé, il va lui rester 25. Et le premier et le propriétaire du taureau, ils vont rester à 25. C'était clair, Nahon. C'est vraiment pas compliqué. Tout ça, c'est parce que Rabbi Shimon pense, comme Rabbi Akiva, entre parenthèses, mais Rabbi Shimon pense qu'ils deviennent tous propriétaires, que l'endommagé devient propriétaire du taureau qui est encore. C'était clair? Ça, c'est toute la suite de la Mishnah. On la fera dans les mots. Allez tout de suite, ça fait pas de mal. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Shor Shave Mataim, Shanagar Shor Shave Mataim. Un taureau qui coûte 200 et qui encore un taureau, un autre taureau, donc l'endommagé, un qui coûte lui aussi 200. Verna Nevela Yafakloum, il lui a rien laissé. Gournisht Walou. Zenotel Mané, Vezenotel Mané. Ils devront se partager. Mané, Mané dans la Torah, Mané c'est 100 zouz. Zouz, c'est le dinar de base. Quand on dit 200, on parle de 200 zouz. Donc mané, ça correspond à 100 zouz. D'accord? Khazar Venagar, ensuite, ce taureau maintenant qui appartenait aux deux, au propriétaire initial et à l'endommagé 1. Khazar Venagar, Shor Acher, Shave Mataim. Si ensuite il est parti ce taureau, il a encore né un deuxième taureau, qui coûtait lui aussi 200 et que de nouveau il ne coûte plus rien du tout. Acharon Notel Mané, le dernier devra lui prendre le mané, donc les 100. Le deuxième endommagé. Et Veshen Efanav et l'endommagé 1, lui, Zenotel Khamishim Zouz, il recevra 50 Zouz, et le propriétaire restera avec ses 50 Zouz. Et ensuite on continue. Khazar Venagar, Shor Acher, Shave Mataim. Si ensuite le taureau est parti et a encore né un troisième taureau, alors Acharon Notel Mané, le dernier devra recevoir les 100. Mané, ça correspond, on est dit 100 Zouz. Veshel Efanav, Zouz et Dinar, c'est la même chose aussi, Dinar Kesef. Veshel Efanav, Khamishim, Zouz. Et le précédent, lui, donc l'encorné 2, lui recevra 50 Zouz. Ushnaim Arishonim, Dinar Zahav. Dinar Zahav, c'est un dinar, donc un Zouz, un dinar plutôt, un dinar Zahav qui est en or cette fois-ci, alors que toutes les pièces qu'on parlait, elles étaient en argent. Le dinar Zahav coûte 25 Zouz. Tout simplement. C'était clair pour la deuxième partie de la Mishnah. Maintenant, on revient sur la première partie de la Mishnah. Et d'abord, on va l'expliquer oralement, logiquement, et montrer le problème qu'il y a dans la Mishnah, qui n'est pas logique, et expliquer de quoi parle la Mishnah. Voilà le programme pour tout de suite. Donc, ça c'est la première partie de la Mishnah, ça va être Rabbi Meir. Là, la deuxième partie, c'était Rabbi Shimon. Et là, maintenant, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir pense que l'encorné, c'est-à-dire l'endommagé, ne devient pas propriétaire du taureau. Il reçoit uniquement un droit fort, une hypothèque sur ce taureau, mais il ne lui appartient pas. Donc, le devoir de garder le taureau n'incombe qu'au propriétaire initial, jamais à l'autre. De ce fait, lorsque le premier taureau, donc lorsque on reste toujours avec les mêmes noms, les mêmes définitions de chacun, lorsque le taureau en corne et tue le taureau 1. Alors, il est vrai que le propriétaire du taureau 1 a un droit de saisie dans le taureau en corneur, mais il n'est pas propriétaire. Donc, il n'a pas de devoir de le garder. Donc, si ce taureau part et en corne
un taureau. 2. Le prioritaire, celui qui a la priorité pour saisir le taureau, sera le premier encorné. Le premier taureau endommagé, pas le deuxième. Une fois que le premier saisit, récupère, se fait rembourser tout ce qu'il doit récupérer dans ce premier taureau, alors, s'il reste quelque chose, le deuxième viendra et lui aussi récupérera son dû. Et puis, ainsi de suite pour le troisième. Ça, c'est logique, c'est vrai, seulement la Mishnah ne l'a pas dit. La Mishnah a dit autre chose qui pose problème, c'est-à-dire qu'on soit clair. Ce qu'on a dit, c'est vrai, et la Lacha, elle est comme ça. Maintenant, la Mishnah, malgré tout, nous dit, utilise d'autres mots, et va dire autre chose. Elle va dire qu'en réalité, on va fonctionner à l'envers. Le dernier endommagé, c'est lui qui reçoit le maximum. S'il reste quelque chose, le précédent. Et s'il reste quelque chose, le précédent. Il y a un problème dans cette Mishnah. Et la Gemara explique que cette Mishnah parle d'un cas particulier. D'accord, c'est clair? Donc ce qu'on a expliqué à l'oral, c'est vrai. C'est comme ça que les choses doivent se passer selon Rabbi Meir. Puisque l'endommagé ne devient pas propriétaire du taureau, il a uniquement une hypothèque dessus. Donc, il est le premier à se servir. Et la responsabilité, le devoir de garder, de surveiller le taureau, reste sur le premier propriétaire. Donc, pour cette raison, on ne diminuera rien à ce premier endommagé. Maintenant, la Mishnah ne va parler d'un cas particulier en réalité. Supposons maintenant qu'une fois que l'endommagé 1, ouais, il a peur de ne pas se faire rembourser son bien. Il a peur que l'autre, il va s'enfuir avec son taureau, il va le faire disparaître, il va l'égorger, il va le manger. Ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il est vite parti, l'endommagé 1, il est parti et a saisi le taureau. Alors là, c'est un cas spécial. Il a saisi un taureau qui, initialement, ne lui appartient pas, mais qu'il a saisi pour pouvoir assurer le remboursement. Alors là, toute la responsabilité de le garder revient à l'endommagé 1 et pas au propriétaire. C'est clair ? Ensuite, donc, si ce taureau va et encorne de nouveau l'endommagé 2, alors c'est uniquement l'endommagé 1 qui va devoir lui rembourser, selon sa part. Si toutefois, il restera de l'argent, selon sa part, il devra rembourser. C'est-à-dire, si on va faire ça en chiffres maintenant, on reste avec... Alors, ce sera plus intéressant de le faire avec un dommage, comment dire, dégressif. Où le premier dommage coûtait, on va prendre un taureau, le premier taureau qui encore coûtait 1000, et le premier taureau endommagé coûtait lui aussi 1000, et après on va faire 1800 et 600, donc ça fait faire qu'à chaque fois il va falloir payer Khatsinezek. Donc en fait, 1000 initial, et le premier endommagé coûtait lui aussi 1000, donc il faut lui rembourser 500. Donc maintenant, il a un droit de saisie sur 500. Ce qu'il a fait, lui, l'endommagé 1, il est parti, il a vite pris le taureau, et il l'a gardé chez lui. Comme ça, il est sûr de se rembourser. Il s'avère que maintenant, il est lui seul responsable sur le dommage. Pas le premier. Le premier, il ne peut rien faire. L'autre, il lui a saisi le taureau. Bon, il lui a saisi le taureau. Donc maintenant, toute la responsabilité de le garder incombe au premier endommagé. Si le taureau va ensuite et cause un dommage à celui-ci, donc maintenant, qui coûtait 800 à l'endommagé 2, il coûtait 800, donc il va falloir le rembourser 400. Alors on va prendre de ces 500 à lui, on va lui dire, tu sais quoi, prends tes 500, tu lui donnes 400 à lui. Et les 500 supplémentaires, tu les rends propriétaires, parce que lui, il n'avait pas de devoir de garder, c'est toi qui as pris tout le devoir de garder quand tu l'as parti le saisir. Weiter, on continue. Quand le 400 maintenant, lui, il a fait le même coup, il est parti, il a saisi le taureau, d'accord? Donc maintenant, pour pouvoir s'assurer ses 400, donc le taureau maintenant qui coûte 1000, il a 400 qui sont à lui, c'est-à-dire qu'il va avoir le droit de les saisir, et à cause de ça, il a un devoir de garder tout le reste du taureau. Donc, on va lui dire, regarde, si ensuite ce taureau, l'endommagé 2, pendant qu'il est chez l'endommagé 2, va et encore un troisième taureau qui coûte 600, donc il faut le rembourser 300. On va lui dire, de tes 400, tu lui donnes 300. Toi, tu récupères 100. Ah, et tu, à part ça, tu rends 600, parce que depuis le début, il y avait quand même 100 supplémentaires, et les 500, ils restent au propriétaire. C'est clair? Alors très bien, on est capable de lire et expliquer maintenant cette Mishnah. Un taureau qui est parti et qui a encorné 4 et 5 taureaux l'un après l'autre. Il les a enchaînés. Petite parenthèse, sans devenir mouad, il y a plusieurs cas de figure. Je ne préfère pas alourdir pour le moment en expliquant comment. Quand on fera le partenariat, je l'expliquerai. Un taureau qui a encorné 4 et 5 taureaux
l'un après l'autre. Il a fait une brochette. Yeshalem la acharon shebaem. D'abord, on paye, on rembourse intégralement le dernier. Umyosh bomotar, s'il reste du surplus, des dividendes, yarzir les shelefanav. Alors le précédent, donc, puisque là on a parlé de trois taureaux endommagés, alors tu rendras à l'avant-dernier, au deuxième, yarzir les shelefanav, il rendra à celui qui est avant lui. Umyosh bomotar, et c'est une fois que le troisième, que le deuxième endommagé, a fini lui de se faire rembourser intégralement son khatinezek, la moitié du nezek qu'il doit recevoir, d'accord? Alors yarzir les shelifne fanav, alors on continuera à repartir en arrière et à rendre à l'endommagé 1, selon les restes. D'accord? C'est clair? Vehemiyash bomotar, yarzir les shelifne fanav, veacharon, acharon, niskar. Le plus grand gagnant de l'histoire, celui qui est le plus niskar, qui gagne le plus, c'est le dernier qui gagne le plus. Divrei Rabbi Meir. Donc on a fini de faire toute la Mishnah. Allez, on se la fait quand même dans les mots, mais très rapidement. Un taureau qui a encorné 4 et 5 fois, l'un après l'autre, il devra payer, rembourser d'abord, on remboursera tout d'abord au dernier. Vemiesh Bomotar, s'il reste, on remboursera au précédent. Et s'il reste encore quelque chose, on rendra à celui qui était précédemment endommagé 1. Acharon, acharon, niskar, le dernier endommagé, et celui qui profite, divrei Rabbi Meir, comme ce qu'on expliquait, parce qu'on va dans un cas particulier, où à chaque fois, l'endommagé saisit le taureau. Autrement, ça se dépend de la rise, c'est le premier qui est prioritaire, et s'il finit de se faire rembourser, alors ce sera le deuxième et le troisième ensuite. D'accord? Ça c'est pour Rabbi Meir, Rabbi Shimon Omer, Shorchev et Mataim, Shinagar, Shorchev et Mataim. Et Rabbi Shimon lui pense qu'un taureau qui coûtait 200, qui a encore un autre taureau qui coûtait 200, Benan et Velaya Faklum, et le cadavre ne vaut plus rien. Zenotelmane, Zenotelmane, il se partage. Chacun il fait 100, 100. Chazar Benagar, Shorcher, Shavet Mataim. Si ensuite le taureau est reparti, il a encore un autre taureau qui coûtait 200. Acharon Notelmane, le dernier, sera remboursé intégralement, c'est 100. Veshel et Fanav, et l'endommagé 1. Lui payera Zenotel Khamishim Zouz, il paye, il récupérera 50 Zouz, et le propriétaire veut Zenotel Khamishim Zouz. Ensuite, Khazar Venagar, Shor, Acher, Shavet Mataim. Si le taureau est ensuite parti, encore une fois, encore un taureau qui coûtait 200, donc il faut lui rembourser 100. Acharon Notel Mané, on donnera au dernier endommagé 100. Veshel Fanav Khamishim Zouz. Et aux deux premiers, Dinere, Zahav, on a fini la Mishnah. On se met maintenant le Bar Tenora. Shor, Shenagar, Arbaa, Vechamisha. Ubekulam ayatam, et dans tous les cas, on parle qu'il est resté tam. Et la problématique de la Mishnah, elle est que des Mishtalem Migoufo, qui devra lui rembourser Migoufo. Ouais, Bartonoy, elle n'en a pas parlé en fait. C'est Rachid qui en parle et tout ce sur Tov. Bon, concrètement, comment c'est possible d'avoir un taureau qui encore 4 et 5 fois et qui reste tam? Après 3 fois, il devient mouad, il devient un taureau averti. Comment tu me dis qu'il reste tam, un taureau inoffensif? Ça fait déjà 4 fois, 5 fois, comment c'est possible? La réponse, elle est très simple. Il faut dire. Le taureau devient mouad, on l'avait appris ça dans la Mishnah au début du Père Guimel, je crois. Il devient mouad uniquement quand il encorne avec une fréquence. Il faut 3 jours successifs. Par contre, s'il encorne le premier jour et le deuxième jour et le quatrième jour, et il n'y a pas eu 3 jours successifs, donc il devient plus mouad, il devient plus averti. Yeshalem, Khatinezek, la Acharon Trila. Il faudra rembourser, on avait dit ça, qu'il faudra, on est d'après Rabbi Meir, qu'il faut rembourser au dernier, Yeshalem l'acharon shebaim. D'abord on rembourse au dernier. Khatinezek l'acharon trila. On rembourse pour la moitié du dommage au dernier endommagé. Bah Gemara moquait le matnitin. Dans la Gemara on explique que la Mishnah parle de quoi? Kegon shitapso nizak, leshor amazik, ligvot mimino venesalav shomer sachar. Dans la Gemara on parle du, en fait, comme ce qu'on expliquait, que le nizak, l'endommagé, est parti et a saisi le taureau amazik, le taureau qui est encore né, ligvot mimenu, pour se faire encaisser, venesalav shomer sachar. De ce fait, il est devenu shomer sachar, il est devenu maintenant gardien payé, parce qu'il a un profit, il tient un profit de cette garde, on verra tout ça quand on regarde dans le Bogometia, Urshayatsa, Mitachat Yado, Reizik, et quand, de ce fait, quand le taureau est ensuite a quitté son, est sorti de chez lui et a causé de l'hommage, Anizakarishon Khayav Ben Zakav, c'est le premier endommagé, donc le premier, l'endommagé 1, qui devra lui dédommager intégralement, selon sa part, le fikar acharon mishtalem khatinizko mishalem. Et c'est pour ça, dans ce cas précis, où on dira au dernier de se faire rembourser tout son khatinizek, toute la moitié de son dommage. Vemiyash bomotar yachzir l'échelle fanav. Et si ensuite il restera quelque chose,
de quoi se faire rembourser, alors il le rendra à celui qui était précédemment. Achikamar, c'est comme ça qu'il faut lire la Mishnah. Im yesh bo motar benezakav, si dans la partie des nezakim, du dommage, donc pas dans la moitié qui appartenait au propriétaire, mais dans l'autre moitié, dans le premier 500, il restera quelque chose, comme on avait expliqué, oui, après qu'on a endommagé un, il a un droit de 500 dedans, c'est ce qu'on appelle nezakav, sa part, qu'il a le droit de se faire rembourser. Alors s'il reste quelque chose après avoir remboursé l'endommagé 2, il pourra le récupérer. Kegon Shechazin Nizko Shalarishon Aya Mané. Par exemple, la moitié du dommage du premier coûtait Mané, 100. La Chatzin Ezek Acharon Chamishin. Et le deuxième endommagé coûtait lui 50. Vehashor Shave Matay, mais le taureau coûte 200. Mitrila, au début, Kshenagar Shorze Shoro Shalanizak Arishon Shechazin Nizko Mané. Quand le taureau est parti à causer le dommage donc, qui coûtait un mané, Ayal et Isaac, Bachor, Zé, Mané, le premier endommagé avait maintenant un droit de 100 dedans. Vela Béalim, Mané, et le propriétaire avait un droit de 100. Orchetafsovan, Isaac, Venagar, Tachat, Yado. Et une fois que l'endommagé 1 l'a saisi, et qu'il est ensuite parti, et le taureau est reparti en cornée, Vela Béalim, Lapsid, Mané, Shayala, Embo. Le propriétaire n'a pas lieu de perdre le mané, les sangs qu'il avait dans ce taureau. Charé, loaita shmirato aléen, el alanizak shetafso, car il n'avait pas de devoir de surveiller ce taureau, mais c'était plutôt le nizak qui l'a, le nizak l'endommagé, qui a eu ce devoir maintenant de surveiller ce taureau. C'est sa faute, mais c'est lui, ouais d'accord, c'est lui qui l'a saisi, sans demander à l'autre. Donc Sheizik la sheni vaaya fatinizko chamishim, et de ce fait, quand il est parti, il a causé un deuxième dommage, ibed anizak arishon minamane shelo. Donc il perd de son droit, de son zhout, il perd de là, et il doit rembourser au deuxième. Et ensuite, s'il reste des dividendes, des restes, jusqu'à ce qu'il atteigne le mané, les premiers 100 qu'il était possesseur dessus, pour aller récupérer, par contre le propriétaire récupérera toujours son mané. Rabbi Shimon, maintenant on reste dans la Seifa. Rabbi Shimon, ça va, Shu Tafenino. Alors lui, Rabbi Shimon, lui, il pense qu'ils deviennent ensemble Shu Tafim, associés. Habéalim van Isaac, Béchor Amazik. Les deux deviennent maintenant associés dans le taureau qui a causé le premier dommage. Veshne Mitraivim bin Zakav, donc les deux sont responsables de couvrir les dommages, de dédommager. Keitzav, Shor Shave Mataim, Shenagar, Vecholé. Donc ça y est, maintenant on a fait une petite réduction, et à pas répéter plus la Mishnah. Ouais, il nous explique la Mishnah. Veshé les fanav ensuite. Zen Isakarishon, Notel Khamishim Zouz. Le premier endommagé. C'est-à-dire, on est arrivé maintenant dans le cas où il y a eu l'endommagé 2, où on a dit que Veshé les fanav, Zen Isakarishon, le premier endommagé, Notel Khamishim Zouz, il récupéra 50 Zouz. Veabéalim Gamken aussi Khamishim Zouz, le propriétaire initial récupéra aussi le aussi que 50 Zouz. De Yesh, la Nizakarishon, Boa Khatsi, et le quart. Mais Shalem Khatsi Tashlomi Nisko, puisqu'il était propriétaire à moitié de ce taureau, alors il devra payer la moitié du dommage. Chazar Menagar, Shor Shalem Taim, si ensuite le taureau a continué à partir causer et a parti ensuite causer un nouveau dommage, alors Acharon, le dernier endommagé 3, Notel Mané, lui récupérera 100. Pour c'est quoi Mané? Achatsi Mikol Mijou. Concrètement, ça va sortir que chacun des propriétaires du taureau, chacun à part égale, selon sa part qu'il a, devra payer la moitié de sa part pour la lui verser. Donc on va arriver à 100, c'est clair. Des migoufo michtalem, parce qu'il devra payer migoufo à partir de son corps. Venimsa oto shenefanav, shaya achati shelo, meshalem michenko chatsimane, shenotel acharon. C'est clair. Venimsa, il s'avéra donc que oto shenefanav, shaya achati shelo, celui qui était juste avant lui qui avait, qui était possesseur de la moitié. Parce qu'à chaque fois, on va se retrouver que le dernier agressé va lui devenir possesseur de la moitié, et l'avant-dernier du quart, et comme ça, d'accord, ça va continuer. Meshalem Mechelko Khatsi Mané. Veshnaim Arishonim, Nizak Rishon, Veabalim Shayalem, Lekol Echad Ravia, et les deux premiers endommagés. Et les deux premiers, qui sont en fait le premier endommagé, l'endommagé 1, Veabalim, et le propriétaire, Shayalem Lekol Echad Ravia, que chacun avait un droit de un quart. Mais Shalmin, Kol et Khadrevit, Nisko, puisqu'il possédait un quart, mais un quart d'une part, donc un quart du dédommagement à rembourser. Kol et Khad, un quart du dommage à rembourser. Dinar Zahav, on avait vu qui correspond en fait un quart, ça correspond à 25 zouz, qui font en fait dinar Zahav, un dinar d'or. Shehem, Eslem et Khamisha Dinarim Shel Kesef, qui correspond en fait à 25 dinars Shel Kesef. Voilà pour aujourd'hui, c'était une Mishnah
vraiment, bon, je vous ai bien expliqué. Je vous souhaite une excellente journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain. Kol Tov, Selah.